Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 215 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Dragon's Revenge. Dragon's Revenge qui est un jeu de flipper. On n'avait jamais fait encore et on est sur Mega Drive. Et donc, on va y aller. C'est parti. Ouh, le dragon qui crache des flammes. Donc, c'est un peu spécial gameplay de flipper sur Mega Drive. Bon, on va essayer de s'en sortir. J'ai dû recommencer plusieurs fois pour configurer les touches qui n'avaient absolument rien à voir avec, avec la configuration. Logique. En fait, sur une manette, ça aurait été les boutons aux extrémités. Mais sur clavier, et bah, du coup, c'était inversé. La droite était plutôt vers la gauche du clavier et la gauche vers la droite du clavier. Donc, c'était un peu le bordel. J'ai dû recommencer plusieurs fois. Et nous voici. Je vais essayer de me débrouiller. Donc voilà, c'est un jeu de flipper, tout ce qui est le plus normal. Bah, après, voilà, il y a un thème avec les dragons. Allez, les petits ennemis qu'on peut détruire au passage. Hop là. Ah non, je suis tombé. Ah bah c'est bon, j'ai toujours ma balle. Il me reste 3 balles à jouer pour finir cette partie. Ah non. Ah. Donc. En fait, c'est toujours un peu tendu. Tendu à jouer ces trucs, je sais pas, il y a des champions. Ah la tête. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est pas belle. Hein. On va essayer de la taper. Non, elle en a rien à foutre. Ah non, si, c'est bon. C'est bon, elle a disparu. Je sais pas trop ce que ça fait, en fait. C'est tellement... On arrive dedans, on sait pas trop qu'est-ce que tout fait. Donc là, je viens de détruire les ennemis. Et regardez, il y a une flèche, voilà, qui est apparue dans la tête du dragon. Ça me donne une sorte de niveau bonus où je vais détruire des araignées qui sortent d'un arbre. Pas beau. Hop. Non! Ah, sur ton mobile. No bonus. Bon, ça m'a donné quand même quelques points. J'aimais la musique du no bonus. C'est assez sympathique. Hop, on monte direct en haut. Donc il y a tout un tas de niveaux bonus comme ça qu'on peut choper. Ok, elle est restée bloquée. Voilà, c'est bon. J'ai cru que ça allait rester bloqué, j'avais peur. Allez. Oh, je vais pas me plaindre, ça fait des points, mais bon. Voilà. Oh, j'ai tué le mec. Le mec qui était au milieu, là, j'ai tué. Hop. Ah non, j'ai encore perdu. Ah, ça y est, je crois bien que cette fois-ci, j'ai perdu ma balle. Balle left 2, voilà. Donc oui, parce qu'en fait avant de me donner la balle, là, c'est à compter les points. Et en fait bah, ça veut dire que vous avez perdu votre balle. Si la relance, il compte pas les points en fait, des sortes de points bonus par rapport aux choses que vous avez faites. Hein. Là ça rapporte plein de points, ce petit coin, ça, la balle tourne vachement dedans. Ça rapporte plein de points. Ah bah elle a atterri à l'endroit. De départ, bon, on va essayer de la relancer. Allez, hop là, et c'est nickel. Elle est relancée en haut avec ce petit ressort. Et il y a un diamant là, je sais pas à quoi il sert non plus. Au final, il n'y a pas tellement de. Ah, bah tiens, il y a la lumière qui s'éteint de temps en temps aussi, je sais pas pourquoi. Et au final, donc il n'y a pas tant de trucs différents au niveau de ce jeu. Du moins, voilà, vous avez des petits niveaux bonus. Voilà, encore, on va atterrir dessus. Je vais essayer de marquer des points comme tout à l'heure. Voilà. Toujours des points, c'est des points. Ah non, il est retombé. No bonus. Ah, la musique. Je vous la laisserai la prochaine fois que je fais un petit bonus comme ça. La petite musique, elle est trop bien. Hop. C'est peut-être une des choses qui sont les mieux, c'est la musique.
voilà, donc ma balle a été relancée. Ah non, je crois que je l'ai perdu, donc non, en fait non, du coup, il me reste une avant de perdre. Donc là, il y a une sorte d'autre niveau bonus, en fait vous avez des ennemis toujours qui tombent, dès que vous les tuez. Normalement, ils ouvrent la porte du niveau bonus, mais bon, là, on va redescendre. Malheureusement, c'est pas pour moi, non. Allez, il va se bloquer ici, là, c'est bien ça. Fais des points, fais des points, fais des points. Hop là. Ah ben non, il veut pas rentrer dans la tête du mec. Hein. Tant qu'il a pas fait sortir les ennemis, vas-y. Ah, voilà. Il a ouvert la bouche. Les ennemis qui sortent. On dirait que la lumière s'éteint avant que les ennemis sortent. Oh non! Oh, elle est tombée. Voilà, ma dernière balle. Et on continue notre folle aventure. Allez. On va essayer de pas perdre trop vite. Je vais essayer au moins de rentrer dans un truc bonus avant la fin du jeu. Ah, pourquoi on a des bruits là-haut? Alors, à chaque fois que je passe là-haut, j'entends des bruits de femmes qui gémit. Mais oh, oh. C'est un peu pervers ce jeu, je trouve. Hein. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Allez, encore un ennemi. J'essaye de rentrer dans mon niveau bonus, peut-être. Je ne sais pas. Ah non, perdu. Terminé. Match. Alors, ça c'est un truc aléatoire. Hop, voilà. Je gagne 400 points supplémentaires, je pense. Allez, non, ça se rajoute. Non. Bon. Et ben voilà, ce sera tout. On va s'arrêter là. Donc ce sera tout pour Dragon's Revenge sur Mega Drive. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.